Bon, les Chablis dans l'ensemble, c'est quand même des terres avec beaucoup de cailloux, hein. Il y a pas eu le. Il y a très peu de Chablis de plantés où il y a beaucoup de terre. Généralement, c'est le rapport pierre-calcaire est énorme. Hein. Pour moi, la minéralité, elle serait due. Bon, là, on est en plateau kiméridien, avec des cailloux et des coquillages. Moi, je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de ça, quoi. La minéralité, elle vient des terres argilo-calcaires d'ici. Parce que tu prends un plan de Chablis, un plan de Chardonnay, tu le mets ici. Tu mets le même plan à 10 km d'ici, dans des Chardonnays tout court. T'as pas du tout le même parfum. Donc il y a bien la terre, il y a pour quelque chose. Pourquoi on n'a pas été plus loin en Chablis? C'est parce que c'est pas les mêmes terrains dès qu'on est hors appellation. Tu vas sur Tonnerre, c'est des Chardonnays aussi. Ça n'a pas du tout le même goût. C'est pas forcément mauvais, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je dis que ça n'a pas du tout le même goût. Bien.